Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Dans cette période obscure, chacun de nous est une petite bougie de Hanouka qui peut illuminer énormément de sphères sombres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se situe sur une falaise ou bien on reste sur notre chaise. Et ce qu'on fait, c'est qu'on tombe en arrière et on essaye de tomber le plus profond possible. Qu'est-ce que fait cette imagination? Ça sépare l'obscurité de la lumière. Ça sépare l'esprit de la matière. Et c'est pour cela qu'on est obligé, avant de les séparer, pour remettre de l'ordre, pour que l'esprit se connecte à l'âme. Deuxième étape, on lève la tête, on a le cerveau illuminé, et on fait aucun effort, et la lumière, tout simplement, nourrit toutes nos cellules et remet en place tout ce qui est déréglé. 1, 2, 3. Shavasenu
Oshema Sakoiseinu Yoidea Talomois. La tête, le corps, aucun effort. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.